Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous pensez que nous venons ici avec 3 camions, 5 camions, on s'arrête là? Le service national est bien structuré, nous savons de quoi nous sommes en train de parler, nous savons ce que nous avons derrière. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas trop, vous verrez que ça va continuer. Vous parlez des stocks, mais le camp Tchatchi, vous avez posé la même question, s'il y avait suffisamment de stocks, vous avez vu que les gens sont en train de servir. Et en plus, il y a le marché de la liberté et d'autres points devant. Nous vous annonçons encore que les milieux universitaires vont bénéficier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y en a suffisamment. Vous-même, déjà, vous avez donné la réponse. Ce que vous avez dit, ces ONG étaient méfiantes. Et qu'aujourd'hui, vous voyez les résultats du travail réalisé par ces jeunes. C'est vrai, on peut encore comprendre, peut-être en rapport avec un passé récent, où on pensait que le Kuluna allait en prison ici. C'est une occasion pour recadrer. Ils n'ont pas été arrêtés. Hein? Je voudrais donner une précision de détail. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont été mis à la disposition du service national. Un détail important, c'est que volontairement, ils ont accepté d'aller être recadrés au service national. Et voilà les résultats qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc il y avait plus de peur que de mal. Le président de la République, commandant suprême, a souhaité que cela soit fait aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons commencé par le district de la Tchang. Nous sommes présentement au marché de la liberté où ce lancement a eu lieu. Ce n'est qu'un début. Ça va s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment d'autres points, Mongafula, Delvo, partout, ça va s'étendre. Papa Nanobi, l'initiative pour que ça soit joué, en tout cas qu'il y ait des là. Tout le monde a passé des dates, comme on connaît, ça va dans la 5e salle. Mais ça a été la 42e, comme on connaît, avant le lot à 18 000. Ça va pas pour la même salle que des bourses. Voilà, va lire, papa. Voilà, va se faire là. Et d'être 18 000 francs, c'est 30 000. Que Dieu bénisse le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Et j'encourage nos enfants, nos petits-enfants qui sont partis là-bas. Voilà les services qu'ils nous ont rendus. Vraiment, ils deviennent aujourd'hui un bénéfice pour la République. Et c'est un exemple pour les autres qui continuent toujours à faire de n'importe quoi. Et voilà, vous avez créé un service. Vous allez bannir même cet esprit-là de Kuluna. Ça n'aura plus sa place dans le Congo. Vraiment, à vous, mes enfants, Bananga et Mibali qui tokoze, mais moi, Mobali, ça ne sera pas si. Ceux qui vont ressortir, mon salaire à Boegoza, Lipamboli, pour n'en pas au Congo. Merci président Fatih Béton. Donne la foufoua Béton. Bato ba bosomba yango na désordre été. Na ina somba 10 pour la revendre. Ezali pour na ko permettre bato ba lia. Na talo moke. Soki oye osombi moko okeyi. Osombi moko okeyi. To bunda te, to swana te, to ganga te. Ordre bango bazali basoda. Ma Mission TV, le miroir du monde. Je vais vous
10 000 francs par sac. Bino peut en bokoya bon discipline. To soit na tête, to bête na tête, nous sommes en ordre. Eza mokola liboso baena yango mais asuka te. Boko mona ka yango à chaque fois campagne e kozala ko sala ma awa. Po ete bato masa liberté pe a changu bae ba ko se retrouver na ko somba na talo moke. Eza bongo te. Alors, naza sûr que protocole azo bongisa bato bakoleka moko moko bazwi jeton ndenge bomoni bamesa singa ezali wana mpona ko respecter vraiment ordre général ye moko kasongwa se de placer awa po assister na eloko ya liboso honneur wana pesi bino bozongisele yango na botosi mingi pe na kimia. Merci beaucoup. Papa, la va lire papa. Il suit pas c'est pas.
Merci président Fati Béton. Donne la foufou à Béton. Service national. Bordeaux sur Mabiso. Voilà mauvais anglais. Anglais sous les guides reportage et les anglais du en haut. Vous filmez un monde de vos questions. Sur R à livraison. Général Kasongo Kabouik, aujourd'hui je vous vois en face. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Béton. Et j'encourage nos enfants, nos petits-enfants qui sont partis là-bas. Voilà les services qu'ils nous ont rendus. Vraiment, ils deviennent aujourd'hui un bénéfice pour la République. Et c'est un exemple pour les autres qui continuent toujours à faire de n'importe quoi. Et voilà, vous avez créé un service. Vous allez bannir même cet esprit-là de Kuluna. Ça n'aura plus sa place dans le Congo. Vraiment, à vous, mes enfants, Banananga et Mibali, Mibali qui toko, Zemi, à moi, Mobali et Salara, pas si. Ceux qui vont ressortir à mon salaire, Boye Gozali, Pamboli, Ponambo, à la piste au Congo. Bino, bah, oh, Botika, Likosa, Misala, oh, Zangitina, Tosengi, Nabino, Botika. Pour place na bino ko sana boloko soke ko sala 5 perte po na mboka misale ko ya to sana besoin loso madesu pomme de terre matungulu fufu nyonso bambala Congo mobimba to ko bénéficier betwele oboke la bampangi na beto bana na beto ya Congo central ya bandundu ya Kinshasa ya République nyonso beno kela kala kisalo yina ya bakuluna kufa batwangani kubotula bambongo betele kulomba benu benu bika kisalo yina ya kena mfuka ve bubu ya avec mes 18 francs wes 18 000 francs muke baka saki ya mvimba ya semul ya 25 kilo n'est-ce pas ya ke vraiment bien en tout cas nzambi sadi sa president Beto Félix et ça c'est d'ailleurs ba généraux nyonso surtout tata Beto papa Kasongo Kabouik betke talent ka na ba télévision mais bubu ya même on a dit qu'en Zambi, Jésus-Christ, qui est le roi du Congo, comme disait notre président, qu'il soit avec toute l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la FARDC, bah, unité nyonso. Nzambe, yandi sakumuna benu, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambo labino, toko bonde, labiso tozaba mama. Toebi pasa komema zemi. Pasi ya mwana mobali, ozana elikia, lobi ya kosali sa yobongo soka bandiko bomayo. Esala rapasi. Yango to pambo libino pe bapanzi sango bo kabali solo e alo kutate eza ya solo yangoyo bilembwe monani kuluna o akotika na musala one telie 5 eza wate okonyoko ma orolia fumvule ngai naza kunate biso to pambo la kambo basa na nzai ba osa musala ba ote ya sango malamu totika Yesu pali ngai ya na ye yo kotika la kana kati ya kuluna osika no ezalite mesoko kosale la ka mboka Babi oyo akosale la mboka, akosale pe na lipamboli oyo ezali liye na mboka wana. Raison pour laquelle nous devons toujours prier pour notre nation, que Dieu vous bénisse. J'habite ici à Tchang, je suis ici à Pascal. Vraiment, je vais ici dans notre marché de la liberté, le marché oyo ezali na kombo ya président Abisso, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Le lot où il nous a laissé un très bon bijou. Voilà ces bijoux, le lot, ils ont servi le col à point. De vente pour la tienne à marché, pour la massa ou la biseau. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est que la continuité de ce qui a été fait
récemment par le président de la République, commandant suprême au camp Tchadji. Il vous souviendra que nous avions annoncé la mise à disposition de la population en dehors de celle de forces armées, de la population civile, d'une partie de la production du service national. Et voilà aujourd'hui que ces choses faites. Le président de la République, commandant suprême, a souhaité que cela soit fait aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons commencé par le district de la Tchangou. Nous sommes présentement au marché de la Liberté, où ce lancement a eu lieu. Ce n'est qu'un début. Ça va s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment d'autres points, Mongafula, Delvaux, partout, ça va s'étendre. Et déjà, c'est ici une occasion pour vous annoncer qu'elle va concerner aussi spécifiquement les milieux universitaires. Le président de la République a décidé que le milieu universitaire soit traité aussi différemment, de manière spéciale ou spécifique, comme les camps militaires. Donc très prochainement, vous serez conviés à une cérémonie ou au lancement dans les cités universitaires de la mise à disposition de produits du service national. Voilà le sens que je peux donner à la cérémonie de ce jour. Chacun doit faire son travail. Laissez les consommateurs prendre ce qu'on met à leur disposition. Au service national, il a son travail. Nous sommes assurés qu'on a suffisamment de la quantité pour mettre à disposition de la population. Donc nous avons pris des dispositions pour que les choses soient dans une continuité, quoi, soient pérennes. Au général, il y a certains ONG qui étaient contre cette activité de ramener les enfants de pluie, aller faire les champs. Et aujourd'hui, voilà, les produits sont là, produits par ces enfants. Il y a des ONG qui se sont dit, qui n'étaient pas du tout contre à tout ce que vous avez arrêté les enfants de pluie, les amener directement vers Kanyamakassi. C'est qu'aujourd'hui, ils produisent la nourriture pour la population congolaise. Qui répondrez-vous à ces ONG aujourd'hui? Vous-même, déjà, vous avez donné la réponse. Parce que vous avez dit, ces ONG étaient méfiantes. Et qu'aujourd'hui, vous voyez les résultats du travail réalisé par ces jeunes. C'est vrai, on peut encore comprendre, peut-être en rapport avec un passé récent, où on pensait que les Kulouna allaient en prison. Ici, c'est une occasion pour recadrer. Ils n'ont pas été arrêtés. Hein, je voudrais donner une précision de taille. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont été mis à la disposition du service national. Un détail important, c'est que volontairement, ils ont accepté d'aller être encadrés au service national. Et voilà les résultats qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc il y avait plus de peur que de mal. Nous l'avions dit au début, que ces jeunes gens n'allaient pas en prison. Ces jeunes gens allaient pour être formés. Ils allaient être pour être préparés à une réinsertion sociale. Ils sont fiers du travail qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Et d'ici là, vous le verrez, ils seront agents à part entière du service national. Ils vont gagner leur vie, ils vont réorganiser leur vie, ils vont réorganiser leur famille, et ça sera un bon départ pour eux. Donc, je ne sais pas pour quelle raison ou quelle intention ces ONG avaient lorsqu'ils voulaient stigmatiser le travail qui est fait par la police et par le service national. Mais au moins, aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin des résultats de ce travail. Je suis un homme heureux. En général, cette opération va continuer jusqu'à date de festivité de fin d'année. Quelle activité? La vente de la farine de maïs du service national. Je le répète, nous ne le faisons pas de manière ponctuelle, que nous le faisons un mois, deux mois. Le président de la République a décidé que ça soit pérenne, que ça existe à jamais et pour toujours. Ça doit continuer. On ne le fait pas aujourd'hui pour arrêter demain. Notre ambition, c'est de continuer à la faire de manière continuelle, de manière perpétuelle. Et voilà. Les personnels et les moyens? Non, le personnel et les moyens, lorsque nous vous disons que nous avons lancé et les dispositions ont été prises, vous pensez que nous venons ici avec 3 camions, 5 camions, on s'arrête là? Le service national est bien structuré et nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Nous savons ce que nous avons derrière nous. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas trop. Vous verrez que ça va continuer. Vous parlez des stocks. Mais le camp Tchadji, vous avez posé la même question, s'il y avait suffisamment de stocks. Mais vous avez vu que les gens sont en train d'être servis. Et en plus, il y a le marché de la Liberté et d'autres points de vente. Nous vous annonçons encore que les milieux universitaires vont bénéficier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y en a suffisamment. Et voilà, c'est clair. Aujourd'hui, on a vu le travail abattu. Un mot par rapport à ça et au président de la République. Bon, ça fait plaisir dans ce sens d'abord que
ça va interpeller autant des parents qui ont des enfants désœuvrés, qui n'ont pas pu encadrer les enfants dans le bas âge, qui sont devenus des malfaiteurs aujourd'hui qu'on appelle le banditisme urbain. Nous voulons éradiquer tout ça parce que nous devons remettre notre pays en ordre. Et en plus de ça, nous souhaitons à ce que tout le monde soit conscient, qu'ils savent exactement qu'est-ce que ces enfants sont en train de partir là-bas. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils sont en train de s'y rendre pour aller faire la prison. Alors que c'est pour aller produire, pour être beaucoup plus important encore pour le pays. Vous avez vu le travail, elle est là. Qu'est-ce que vous dites pour un mot par rapport au président de la République qui soutient cette initiative? Bon, le président de la République, je l'encourage, c'est très bien. C'est une initiative qui a commencé avant, qu'on a arrêté depuis un certain moment, qu'on n'a plus vu. Et maintenant que nous venons de voir, de constater que c'est revenu en activité, ça nous fait plaisir. C'est vraiment du progrès, c'est très bien. Et ça va permettre à la population d'abord de se nourrir, à la population de se nourrir et puis d'occuper ses enfants désœuvrés. Ok. Monsieur Mbella, autre chose encore. J'ai une remarque à faire par rapport à ce que je constate. Les Congolais qui sont ainsi, parce que ça, j'appelle ça aussi un civisme. Il y a certaines personnes qui sont là, au lieu de prendre un sac, de donner la possibilité aux autres, à tout le monde d'en avoir un, dans un premier temps, comme ce sont les premiers lots, il y en a qui sont là en train d'aligner les enfants, d'aligner les grands frères, les petits frères, pour en approprier beaucoup d'un coup. Là, ce n'est pas bon. Ça ne fait pas partie de la conscience que nous sommes en train d'interpeller. Voilà, c'est... Ma Mission TV, le miroir du monde.